Allez, bonsoir à tous, c'est Metarkai. On est le 2 mars 2012, soit un de deux jours après mon dernier Shiny. C'est tôt, on l'avoue, c'est encore une fois vachement tôt. Ah, c'est génial. Parce que, bon, comme j'ai un retard sur mes vidéos, en semaine, je peux pas les poster, donc voilà, je suis tombé sur Rondoudou Shiny pendant mercredi. Et là, je me suis mis chez moi, j'ai pas fait la vidéo, je me suis dit, je vais faire le soir pour continuer mon autre recherche. Une recherche que je ne peux pas faire à l'internat parce que je n'ai pas la place pour pouvoir le faire, ni le temps. Arrêtez de m'appeler sur Skype. Voilà. 3, 2, 1, c'est. Ah, en fait, un autre topicker, ouais. Alors, je m'explique. Les chansons, on va faire ça. Comme ça. Là. Voilà. Alors, je m'explique. Pourquoi je suis tombé sur le picker. Alors, à la base de cette recherche, je voulais pas faire topicker. Je me suis dit, j'ai pas beaucoup d'idées. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir dans la cave topicker. Il y a personne qui est tombé sur, comme qui dirait, un topicker shiny. Parce qu'en bon temps, il y a un assez rare 5%, on peut le repousser. Il me semblait au plus haut niveau, j'ai vu sur Rochefeuille. Pour ça, je me dis, peut-être sur Rochefeuille, c'est sur Cardan d'argent, il sera un peu plus. Ouais, 10%, mais il y a 5% qu'on est obligé de repousser si on veut voir que lui. Et puis là, en regardant les taux sur une autre page, sur une page de. Je ne sais plus le nom. J'ai vu que il était. Avec la radio, on pouvait en quelque sorte effacer les topickers et avoir de jolis Pokémon. Donc, on avait un 66% Makuhita et 33% de Tropicker au boost niveau 19. Mais je me suis dit, on va pas rester arrêté là. Parce que, il y avait Absol, voilà, le petit haut tout seul là, qui était au niveau 17 et 13. Mais je me suis dit, ça fait un peu dégueulasse quoi, je veux dire. Tu laisses Absol de côté, c'est un peu criminel. Donc, j'ai pris le risque de faire Absol avec la recherche, voilà, donc c'est-à-dire de repousser niveau 17 ou 19 et de me taper 16% d'Absol, 33 de Topicker, 33 de Makuhita et 16 de Tropicker. J'ai pas beaucoup monté par rapport au taux principal, j'avais encore beaucoup de Topicker, que j'ai déjà, mais voilà quoi, je veux dire. Alors voilà, mon équipe c'était comme ça, j'étais pas à pression, j'étais avec mon Staros, voilà. Donc ce que j'avais fait pour éviter tout problème. Déjà pour le repousse, je prends un Absol. Il a chopé le Poké russe, non. Il a chopé le Poké russe. Alors oui, je chope un Absol. Il a chanceux. Bon ça. Ah oui, je veux éviter qu'il ait pression. Et surtout, Makuhita, là. Cyclone ou. Ça doit être cyclone. Donc, revoc. En vrai, voilà, j'ai regardé comme ça, je me dis, tiens, je chope pas un pour repousser. On a un Absol, on faisait niveau 17. Et, ah merde, bon j'ai regardé Makuhita, ah merde, il est Cyclone. Bon, comme je le pensais avec son homologue Ariyama et lui à Rodita. Et j'ai bien fait, donc provoque dans Slump Pochage tranquillou. Et voilà. Le petit topicker. Alors. Calme. Il me semble pas que les gens me baillent calme. Il me semble pas que calme ça soit un truc intéressant. C'est une femelle, tiens. Cool. Le premier, je ne sais pas si t'es mal ou pas. Niveau 17. Allez, tiens, c'est parti. Objet prendre. Objet donner. De l'hôtel et où la boule fumée. Boule fumée, viens par là. Alors. La fois pas voilà. Là, c'est nickel. Et ce qui me désole aussi, c'est que j'ai pas réussi à choper les étoiles. Alors comment je procède? On se met un mercredi, on met la radio, et ensuite on tente sur soi-même, voilà, et voilà, vient la rencontre d'un rien là. Voilà, j'ai mis les animaux sont là et bouvre de moi, je n'ai pas réussi à choper l'animation de Topicker parce que j'ai été concentré sur une vidéo. Mais voilà, ça. C'est un peu désolant, hein. Je veux dire, c'est un peu désolant que. Voilà. Justement, étonnement, pleure comme vous, je sais qu'il y a la marge. Pas au niveau des. Cette attaque pouvant cogner des dégâts qui sont dangereux, mais.
Alors, la vitesse. Bon, bah, la vitesse est vachement correcte, hein. Surtout que cette chasse et cette recherche, elle peut se faire vraiment de différentes manières. Alors, soit comme moi, qui ai voulu tenter un petit peu quelque chose de... J'ai voulu tenter quelque chose d'un peu... voilà. Tenter le doublon, hein. Tenter le Absol, même si j'avais le doublon. Mais voilà. En se mettant le lodi, évidemment, on a quelque chose d'autre à la place d'Absol. Et à la base de Makuta, on a Corillon. Donc on peut avoir soit 33 Corillon, Makuta, 33 Topiqueur, 16-6 Triopiqueur et 16-6 Absol en Pokémon. Ou bien... à peine en fait de dos, c'est comme mon doudou. C'est un peu bête de les faire apparaître comme ça, dos. Voilà. Ou bien alors, c'est 66 Makuta au Corillon, 33 Triopiqueur. Ou alors, mais là, ça me semble que ce sera vraiment lent. C'est-à-dire faire 100% Triopiqueur. Parce que si on devait comparer en pourcentage, il me semble que là, je repousse 20, peut-être 25-30% de... Il me semble que c'est 30% d'ailleurs de Pokémon. Un truc comme ça. Ouais. Oui, 30, ouais, 30%. Il me reste 10 Absol, 20... Non, je repousse 40% alors. 10 Triopiqueur, 10 Absol, 20 Makuta et 20 Topiqueur. Non, je repousse 40%. Bon, avec Alimateur, ça va quoi, le taux de rencontre est passable. Je repousse un peu plus, il me resterait 30%. Okay, ouais. Je repousse plus, il m'en reste 5. Donc on voit la décroissance du taux de rencontre, hein, c'est incroyable. Ben voilà, voilà. Hein, ça fait mon 73e Shiny. Un peu dommage que ce soit Topiqueur. Que j'ai prévu. Si c'est Absol, je repousse, je mets Makuta. Si c'est Makuta, je mets Corillon. Si c'est Triopiqueur, bon bah... on va arrêter ça. Hein. Et voilà, comme c'est Topiqueur. Topiqueur, je savais pas trop ce que je vais faire, je pense. Je la referai. Avec soit Makuta, soit Corillon. Je pense Makuta, quand même. J'ai une préférence pour Makuta. Corillon... Non, j'aimerais ailleurs avec d'autres trucs. Makuta, ça, j'aime bien. Le fait que ce soit dans une grotte, comme ça, puis... d'avoir un bon taux quoi. 3G aussi je préférais évidemment, ça j'imagine, mais ça me dérange pas là. Donc, je trouve ça fait intéressant. Ah tiens, allez, comme c'est fini. Ah. ouais, donc ouais voilà. J'ai fait de... Voilà, ça m'a fait un trip comme ça de... Ah. Le Triopiqueur là, j'ai pas la radio. Bon. On me dit un comme ça. Ouais, 76%. Voilà. C'était ma cible. J'ai Topiqueur, c'est vrai, mais je me suis dit, voilà, faire un Topiqueur comme Triopiqueur comme ça, la grotte, bah, ça a de la gueule, ça a de la gueule quoi. Mais moi, c'est pas vraiment faire évoluer le Shiny qui m'intéresse, mais c'est d'avoir la forme évoluer directement. C'est ça que, pour ça que j'ai fait Metalos, alors que j'ai un Metang et que j'ai eu un second Metang par inadvertance, comme un manche, en voulant avoir, bah, mon Metalos. Attends, là, ça fait pareil. Voilà, moi c'est un petit coup de cœur quoi. Des fois les formes évoluées sont pas forcément meilleures. Hein. Je vais dire, ouais, vrai que Dracolos, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que bon, Dracolos, sa couleur verte, ça va, mais moyen quoi. Je veux dire, comparé au mof de Miraco et Draco, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après c'est vraiment par égalité, je veux dire, on aurait pas un que je croyais vraiment. Ah. Bon, alors c'est en forme, je viens de faire une grosse bêtise. Bon, je vois juste avant Dieu. Zoup, zoup, zoup. Ah, voilà. Karatrok, Aragdo, Cacnea, Ortid, Topiqueur. Merde, tous les deux fait mal. Et mon Crisaci. Maintenant, c'est un Topiqueur. Ah, il a piège celui-là. Donc voilà. Ah, tiens. Ben, ça, c'est un clone de Togekiss. Qui, si je voulais monter de niveau, en avoir toujours un petit niveau. Alors, mon dernier Topiqueur, voilà. On compare à l'autre. Ouais, il y a une petite différence de niveau quand même. Hein. Mais il a piège, ouais. Bah, ça va moins que je puisse en tirer quelque chose, vu sa nature. Mon attaque plus défense spéciale. Mais bon, c'est un tout intéressant. Voilà. Bon ben allez tiens, je vais reprendre, on va faire une petite dernière rencontre et puis voilà. C'est vrai que ça m'embête un peu quand même d'être tombé sur Topiqueur, mais bon hein, voilà quoi, j'ai connu mes risques. J'ai joué, je me suis fait avoir.
Ah là là là. Ah bah non, ça va pas. C'est pas ce que je veux. Voilà, bah, mon deuxième max repoussé, ouais, cramé. Ah oui, tiens, le chiffre. Bah le chiffre, là, j'en suis à 1413 rencontres. Et deux max repoussés. À deux. Ouais, deux. Ben, j'en ai cramé un dimanche, j'en ai cramé un là. Enfin. Et encore. Je l'ai cramé juste parce que. Parce que je me suis tiré. Ouais, évidemment, quand on tourne comme ça. Moi je le fais en. Apparemment en croix, c'est-à-dire je fais pas le tour, je fais haut, droite, gauche, bas. Que je fais en. Je fais en derrière. Ah tiens, trio piqueur. Pourquoi t'es pas venu? Bon, j'ouvre une pêche. Ah oui, voici mon rythme, on va dire. Bah si. Ouais, c'est plus rapide qu'une pêche 5G. Ça m'a étonné, je pensais que c'était un peu plus lent, mais non. En fait, c'est vachement rapide, puis c'est vraiment facile. Bon, évidemment, comme je suis tombé sur Tritopiqueur, Zoomant Topiqueur, pas trop envie de trop commencer à refaire un coup de Tritopiqueur, même si là je vais repousser pour vraiment plus avoir Topiqueur. Je vais essayer une autre zone. Ouais, je vais essayer une autre zone, il y avait des trucs qui m'intéressaient sur Diamant Perle et Platine. Je vais voir, je me suis fait une petite liste de façon de 2-3 trucs à faire intéressants. Bon, sinon, allez, dernière rencontre, et puis bah, à bientôt.